je jouais au soccer dans mes vraiment jeunes temps. Puis il avait remarqué que je cueillais des fleurs à la place de courir après le ballon. Puis là, ma mère, elle cherchait comme des sports que j'aimerais faire. J'ai tout le temps fait du vélo de montagne dans la rue en avant. Puis là, elle m'a dit, si tu voudrais essayer le vélo de route, ça pourrait être bon. Puis ça a commencé. Je pense que le rôle des parents là-dedans, là, j'ai tout le temps dit, moi, qu'on était des facilitateurs pour les enfants qui aiment faire du sport comme ça. C'est à nous autres de trouver des occasions d'entraînement, des occasions d'aller faire des camps, des occasions d'aller faire du perfectionnement. C'est à nous autres à faciliter tout ça. T'sais, c'est pas juste financier, c'est aussi leur donner du temps, les accompagner dans ça. J'ai un entraînement, je vais faire des tests. Je dis full kit là, quand je suis en kit de course. Là, puis, ça, on prend des photos en kit de course, une simulation de course ou je vais pour un Strava, là, il vient prendre des photos pendant le Strava. Puis ça fait comme plus un esprit de course, je trouve. Là, c'est le fun de mélanger un peu sa passion avec ma passion de faire du vélo et de la photo. Hein. Ils m'ont toujours soutenu, surtout, il y a beaucoup de parents qui mettent beaucoup de pression, mais moi, c'était sans pression, toujours garder ça pour avoir du fun, juste faire du sport si j'aimais ça, toujours garder l'esprit ouvert si j'aimais mieux d'autres choses. Ça, je pense que ça a été très bénéfique dans ma réussite. Je pense que mes parents ils ont toujours cru que j'allais pouvoir atteindre ce niveau-là.